وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة رواه البخاري. D'après un commentaire, une sagesse, hikma, signifie des propos bénéfiques, empêchant celui qui le touche d'agir sottement, c'est-à-dire bêtement. Cette tradition prophétique peut être comprise à la lumière d'une autre tradition prophétique. Deux personnes, qui étaient venues de l'est de l'Arabie, avaient tenu chacune un discours qui avait étonné les compagnons qui étaient présents. Radiallahu anhum ajma'in. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait alors dit « Il est, en certaines expressions orales, de la magie. » D'après un commentaire, la maîtrise du verbe et l'éloquence employée au service du bien décuple les effets de la parole qui est en soi vraie ou juste. Mais quand elles sont employées, c'est-à-dire le verbe et l'éloquence, lorsqu'ils sont employés au service de ce qui est mauvais ou d'intérêt coupable, ils enjolivent ce qui est faux ou injuste, le faisant passer aux yeux des auditeurs, de ceux qui écoutent, en quelque sorte envoûtés et ensorcelés pour du vrai ou du juste. Plus loin, le commentaire nous explique que la poésie n'est pas en soi blâmable et mauvaise. Néanmoins, la poésie est à traiter avec prudence, c'est-à-dire qu'il faut savoir garder une distance critique afin d'évaluer, à la lumière de la raison, la pertinence ou la fausseté de ce que tel poème véhicule. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran « A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa shu'ara » يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ. Les poètes évoqués dans les premiers versets de ce passage ne sont pas l'ensemble des poètes, puisque les versets venant après font l'exception de ceux d'entre eux qui ont telle, telle et telle qualité. À ce sujet d'ailleurs, il est rapporté de Abul Hassan Salim al-Barrad, rahimahullah, que lorsque le verset a été révélé, alors Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha et Ka'b ibn Malik, radiallahu anhum ajma'in, qui étaient parmi les plus grands poètes, ils sont venus auprès de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Et ils dirent, certes, au moment où Allah a révélé ce verset, Allah savait que nous étions des poètes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la suite des versets. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا